Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner avec la cloche de notification et de lâcher un gros pouce bleu. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore abonné, je vous invite à tous mettre mon code créateur FinTech bleu dans la boutique Fortnite. C'est super important, cela me soutient énormément. Bien sûr, bonne vidéo. Comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un cadeau dans la boutique Fortnite, pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, tu mets un petit pouce bleu et bien sûr tu mets le code créateur FinTech bleu dans la boutique Fortnite. Une fois que tu as fait tout ça, tu mets ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Tu peux le mettre plusieurs fois, ça me dérange surtout pas. Et bien sûr, bonne vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est FinTech, j'espère que vous allez bien. Bien écouté, pour ma part, je vais vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale simplement pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir. Et pour toutes les personnes qui sont pas à cœur, je vous invite à vous rendre dans la boutique d'objets, de faire la case de tenir un créateur et de tous rentrer le code créateur FinTech dans la boutique Fortnite et vous accepter. Cela me fait vraiment super plaisir, en majuscule, en minuscule, c'est la même chose. Du coup, comme vous avez vu aujourd'hui, il y a le tout nouveau pack qui vient de sortir dans la boutique, le pack Fashion Stas Funèbre. Du coup, on va simplement voir le pack et ce qu'il contient à l'intérieur. Du coup, simplement, on peut faire des cadeaux avec le pack, du coup, ce qui est vraiment bien. Du coup, le prix du pack, c'est 2800 V-Bucks. À l'intérieur, on a tout simplement 3 skins avec 3 accessoires de dos et une pioche, je pense. Ouais, voilà. Du coup, on va tout simplement inspecter les objets. Alors, du coup, on a 3 pioches et 3 sacs à dos. Du coup, on va voir les skins. Alors, on a le tout premier skin, le Crépuscule Funèbre. On a le deuxième skin, l'Arachné Coquette. Ici, on a le Terreur Nocturne. Du coup, là, on a avec les sacs à dos, ce qui est vraiment super bien. Ah, mais déjà, il y avait déjà l'ensemble de ce skin là auparavant pour les gens qui connaissent. Du coup, là, on a la pioche pointe de la fileuse. On a le sac à dos, sac Crinophéterin. On a la hache vampirique qui est vraiment super bien. On a le accessoire de dos, la Arracho Snack, voilà, sac, voilà. Du coup, on va simplement observer les skins. Alors, du coup, on a simplement ce tout premier skin qui est vraiment super stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On a ce deuxième skin qui est vraiment assez sympa, voilà. Et on a le dernier skin avec des lunettes de soleil, voilà. Avec la même ensemble que l'autre skin, le Terreur Fluo, pour les gens qui connaissent. Du coup, on peut faire des cadeaux, etc. En plus, il y a même plusieurs sites. Ah ouais, du coup, il y a avec les lunettes et sans lunettes, ce qui est vraiment super beau. Du coup, tout simplement, aujourd'hui, on va tout simplement l'obtenir gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Du coup, je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification. C'est vraiment super important. Du coup, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez partir dans la boutique d'objets. Là, vous allez cliquer sur le pack. Là, vous allez avoir le pack à 2800 V-Bucks. Vous allez faire obtenir des V-Bucks. Là, vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Là, vous allez faire acheter. Il y aura l'écran de paiement de votre plateforme. Ce que vous allez faire, vous avez juste à faire un retour. Vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là, vous allez cliquer sur le pack. Vous allez faire un cadeau et vous allez vous sélectionner vous. Là, vous allez sélectionner le cadeau rouge. Vous allez envoyer. Ça vous demande, oula, il y a un problème. Du coup, vous n'avez pas suffisamment de fonds pour offrir cet objet. Vous allez faire retour. Là, vous allez juste à revenir au lobby de Fortnite. Une fois revenu au lobby, ce que vous allez faire signalement retour. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Objet cosmétique. Et là, dans boutique, vous allez descendre tout en bas. Et là, vous devez bien retenir ça. Les objets que j'ai achetés n'apparaissent pas. Du coup, vous allez faire retour. Là, vous allez changer la langue du jeu. Du coup, là, vous allez où ça? Du coup, voilà, c'est ici. Vous allez mettre votre langue de jeu en anglais. En anglais, voilà, vous allez appliquer. Là, vous allez faire confirme. Il y aura le pack qui va apparaître. Vous allez faire le pack Get On Now. Du coup, simplement, il y aura l'écran de paramètres qui va revenir. Il y aura un petit chargement, ça va vous remettre dans la boutique d'objets. Vous allez descendre tout en bas. Du coup, simplement, après là, vous allez faire Gift, c'est super important. Vous allez vous sélectionner vous encore une fois. Vous allez sélectionner le cadeau rouge. Vous allez faire Send. Ça va vous mettre encore une erreur. Ce que vous allez faire, Back. Vous allez revenir au lobby. Du coup, vous allez dans le bouton Play. Vous allez ici. Du coup, ce qu'on a retenu juste avant, Reporting. Là, vous allez faire report à bug dans Shop Locker and Lobby. Du coup, ce qu'on a fait juste avant. Reward in RM at Apparent. Ça veut dire en fait que les objets que vous avez gagnés n'apparaissent pas. Vous allez cliquer dessus. Là, vous allez faire continuer. Vous allez faire accepter. Là, vous allez attendre le sending report. C'est super important. Là, vous allez faire le bouton close.
vous allez revenir dans vos paramètres, dans settings quoi, vous allez là, là vous allez mettre player surveil en on, vous allez appliquer, vous allez retourner, là vous allez dans la case V-Bucks, vous allez cliquer sur l'achat de 20€ de V-Bucks, vous allez faire le bouton pure chasse, vous allez revenir, là vous avez juste à faire select game mode, c'est super important, vous allez revenir sur le mode battle royale, vous allez attendre le chargement, le loading, voilà, là vous allez retourner dans le item shop. Là, vous allez faire support à créateur et là vous allez mettre mon code créateur FintechXBE dans la boutique. Voilà, là vous allez accepter. Là vous allez juste à revenir au lobby. Là vous allez faire le bouton setting. Là vous allez vous mettre simplement sur off, c'est super important. Vous allez faire back. Là ce qu'il vous reste à faire, c'est les game modes. Là vous allez sélectionner le mode battle royale. Et simplement on va attendre. Et on va obtenir le tout nouveau pack qui est un funeste. Brenneb qui est vraiment super bien, du coup là on vient tout simplement d'obtenir le tout nouveau pack gratuitement sur Fortnite Battle Royale, en espérant vraiment que cette vidéo glitch vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification et de tous rentrer le code créateur FinTech dans la boutique Fortnite. C'était FinTech, allez ciao tout le monde.